Mes chers amis, les démons est là parmi vous. Le vrai Satan est dans la vie parmi vous, autour de vous. Aujourd'hui, je vais vous déclarer des vérités que vous n'avez jamais écoutées. Je vais vous parler des choses, des révélations graves dans la vidéo ici. Tenez-vous bon. D'abord, vous devrez apprendre à aimer, à liker mes vidéos. Vous qui aimez les vidéos, vous qui suivez les vidéos, plus de 3000, 5000 personnes, mais il y a seulement des 500 j'aime. Pourquoi vous ne likez pas les vidéos? Il faut aimer, botchaba j'aime, botchaba like. Commentez, sauvez des commentaires. C'est moi, Gilma, c'est votre tonton, l'oncle de tous les enfants. Muyomba Bato Toyote, je suis là pour vous, Nanina Baki. Je vais toujours continuer à faire des analyses objectives. Quand je parle des démons, regardez un enfant qui est en train de célébrer une victoire, un enfant qui vient d'achever, d'accomplir une mission dans sa vie. Et ce qu'on appelle milestone dans sa vie, la fille ici, elle est en train de célébrer quelque chose de grandiose, mais son père, au lieu de l'encourager, au lieu de venir célébrer avec elle, Il se promène avec des tapettes partout, dans les jeux de la rue, football de la rue. Les football de la rue, même pas professionnels, ils passent tout le temps à s'asseoir là-bas pendant que sa fille propre, sa fille du sang, son propre sang, est en train de célébrer son diplôme avec ses amis. Mais le papa n'est pas là. Et puis vous allez dire que c'est monsieur ici, il est la figure publique de la génération. Il est la personne. Je ne sais pas comment vous regardez des choses pareilles. Je ne sais pas. Naïbité, ça me dépasse la tête. Quand on vous parle des réalités, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas comprendre. Eh, monsieur, toi, monsieur qui me regarde là. Toi, monsieur, surtout toi, maman qui me regarde là avec des pensées négatives. Ton mari qui t'a donné vraiment les enfants. Vous aviez les enfants qui ont grandi. Aujourd'hui, ils finissent l'école secondaire. Ils obtiennent leur bac. Les enfants célèbrent, mais ton mari, il ne célèbre pas, il n'est pas là. Il est en train de sillonner, vagabonder dans la rue. Regardez les marches de la rue. Pendant que toi et tes enfants, vous êtes en train de célébrer la victoire. L'achievement de la femme, vous êtes en train de célébrer l'achievement. Mais le papa, il s'en fout. Il fait maintenant des baises. Votre papa est en train de faire des baises avec l'autre enfant et les enfants de la rue. Ils sont en train de distraire les gens. Les gens sont en train de célébrer la victoire de Kélia. Mais il y a un monsieur qui est en train de faire les baises. Quand les gens sont concentrés sur les choses positives, Yekuna azana biloko kaka négatif. Quand je vous dis qu'il y a les centaines parmi nous, vous ne comprenez pas. Quand je parle des démons, vous n'écoutez pas. Maintenant, toi, papa, là, qui m'appelle pour m'insulter, toi qui m'appelle, qui me dit que où sont mes enfants? Moi, j'ai les enfants. J'ai un enfant, mais j'ai quand même un enfant. Et je suis responsable et j'assume ma responsabilité, ma part des papas, des parents, des pères. J'assume ça. Je pars là où il me faut partir pour mon enfant, je vais y aller. Mais il y a des gens qui soi-disant figure publique. On a toujours vu sur Werrason. Werrason, quand ses enfants réussissent, bien que ses enfants vivent loin de lui, il a toujours été obligé à foutre un ticket pour aller célébrer la victoire de ses enfants ensemble. C'est ça ce qu'on appelle parent. C'est ça ce qu'on appelle être dans la vie de ses enfants. Bana wera ba jamais ba ko bosana ba acte oyo wera salaka. À chaque fois que bazako kokisa quelque chose très important na vie na bango. Puisque wera son est toujours présent. Bien qu'il est musicien, star comme tout le monde, mais il sait la valeur de ses enfants. Il sait comment gérer sa vie musicale et sa vie de père. On le fait, on en parle puisque Fally, c'était
c'est une figure publique de notre communauté. Quand les choses sont sur les réseaux sociaux, on fait les analyses. Et quand on fait les analyses pareil, on tombe directement à un papa, à un monsieur qui ne connaît pas faire la différence entre l'amusement et des réalités. L'amusement et les choses sérieuses. Les papas et les foyers, ils ne savent pas faire la différence entre la famille et les buzz. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Ils mélangent tout. Vous qui insultez ou rassemblez chaque fois sur les réseaux sociaux, bino baba ouar, vous avez fait un ouer. Ouer, c'était papa responsable. Ouer, il a tout fait pour gérer sa famille, son foyer. À chaque fois que vous avez un événement dans la vie des affaires de ouer, ouer a toujours été présent. Si Kabino Bozako Finga, vous qui insultez Werason, qu'est-ce que Fali fait dans la vie de ses enfants? Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on voit dans la vie de ses enfants, ce sont les femmes de Fali qui s'occupent de ses enfants. Niki Menga, que vous insultez chaque jour, elle a beaucoup fait dans la vie, dans la famille de Fali et Poupa. À part donner les papiers à Fali, à part donner les affaires à Fali, Niki Menga a assumé l'éducation des bases de ses affaires, l'éducation scolaire de ses affaires, Niki les a assumées. Niki n'a pas regardé l'importance de Fali, la grandeur de Fali, l'argent que Fali a. Elle a su assumer, puisqu'elle fait partie de la responsabilité de ces affaires-là. Lui, elle, quand même, elle assume sa part de responsabilité dans la vie de ses affaires. Qu'est-ce que Fali donne comme sa part de responsabilité? Et monsieur qui n'a jamais été présent, et monsieur qui a toujours été absent, et monsieur qui s'en fout de ses affaires, et monsieur qui passe à la télévision insulter ses affaires, et monsieur qui passe à la télé s'acharner contre ses propres affaires. C'est ce monsieur-là que vous voulez nous donner des leçons morales, vous voulez nous imposer à les supporter. Quand vous m'appelez, vous m'incitez, puisque j'ai fait la vidéo de célébration, de félicitations, d'encouragement de la fille Kélia pour passer son bac, ça passait par des tentations sexuelles. La fille-là a réussi là où beaucoup ont échoué. La fille-là a réussi là où vos enfants ont échoué. Vos enfants n'ont pas été insultés. Vos enfants n'ont jamais été insultés sur les réseaux sociaux. Mais la fille-là, elle est insultée, harcelée chaque jour sur les réseaux sociaux. Mais elle n'a pas gâché, elle ne s'est pas découragée. Elle a tenu bon. Elle savait où elle parlait, elle partait. Elle savait d'où elle venait. Elle savait, elle sait jusqu'aujourd'hui là où elle est, et elle a une vision. Aujourd'hui, elle nous a prouvé le contraire. Malgré vos injures, que sa tante passe à la télé, parler mal d'elle, aujourd'hui, elle est victorieuse. La gloire toujours revient encore à Niki Menga. Au lieu de regarder le côté positif d'une personne, vous êtes là pour insulter, pour s'acharner contre des personnes. Moi, je ne suis pas de la sorte. Je ne suis pas la personne à qui on doit se jeter des insultes et résister. J'ai tout fait pour résister, mais mes réponses se trouvent toujours dans des vidéos. Moi, je suis ici pour supporter la cause. Je suis ici pour promouvoir les personnes, la voix de sa voix. C'est moi qui ai commencé ça. Je suis ici pour promouvoir la valeur de la femme africaine, la femme congolaise. Je ne peux pas lâcher, je ne lâcherai pas. J'ai été là, je suis et je reste. La communauté congolaise, une communauté remplie de bouffons. Il y a des femmes qui ont des enfants. Les femmes qui ont échoué à prendre soin de leurs enfants. Les femmes qui ont échoué à éduquer leurs enfants. Les hommes aussi qui ont échoué. Les enfants à l'âge de 12 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, jusqu'à 17 ans, les enfants ont abandonné les études. Les enfants se sont jetés dans des vols, dans des cigarettes, dans des drogues, dans des boissons alcooliques.
Mais une femme qui est connue comme la femme de Fali Ipupa, séparée. Vous imaginez-vous combien des hommes, combien d'hommes la guettent, combien d'hommes cherchent aussi à passer là où Fali a passé. Combien d'hommes cherchent aussi à passer avec les affaires de Fali pour seulement se taper la poitrine. Mais la famille là, des trois femmes là, Kelia, Keina et Nikki Menga, elles ont résisté à toutes sortes de tentations. Jamais vous aviez écouté Nikki Menga en train de dévergonder avec les affaires de 10, 3, 4 hommes. Jamais. C'est parce qu'elle sait sa valeur, elle sait se comporter digne d'une femme. Regardez ces enfants. Ces enfants ont été exposés aux réseaux sociaux depuis longtemps. Encore, elles sont trop jolies, elles sont belles. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent les contacter. Mais les enfants se sont décidés. D'abord les études et les distractions après. Vous les voyez à la télévision en train de danser, en train de jouer, en train de s'amuser. Vous pensez qu'elles sont des dévergondées, mais avec amusement là, avec la distraction qu'elles sont en train de faire, elles ont des objectifs derrière cela. Derrière leur jeu, leurs activités, il y a un objectif qui est vraiment bien connu, clair et net. Ces affaires-là aujourd'hui, c'est une fierté. Quand Fali va parler de baccalauréat dans sa famille, il va toujours se souvenir des enfants que Nikki Menga a donné vie, les enfants que Nikki Menga a éduqués, les enfants que Nikki Menga a envoyés à l'école. Il ne va pas parler d'une autre femme, d'une autre personne. C'est directement Nikki qui viendra dans sa tête. Ce n'est pas Nana, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas toi qui insultes Nikki Menga, ce n'est pas toi qui es en train d'insulter les enfants de Fali, qui serait dans la tête de Fali. Fali, quand il passe au baccalauréat dans sa famille, il va passer directement à Kelia et Keina. Et quand il passe à la personne qui était là comme le support physique, financier, moral, c'est Nikki Menga. Fali qui est là, il est reconnaissant à 100% de tout ce que Nikki Menga est en train de faire. Ce n'est pas vous les petits bandits des réseaux sociaux, vous les mamans qui n'ont pas d'avenir, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de passé, vous n'avez pas de présent, même votre avenir vous inquiète. Ce n'est pas vous de donner des leçons morales, soit des conseils à Fali Ipupa. Fali lui-même, il sait qui est Nikki Menga, qui est Kelia, qui est Keina. Bien qu'il est dévergondé, il est aigri, il ne connaît même pas ce qu'il sait dans la vie, quand même. Il a eu une chance dans sa vie. Fali a eu une chance dans sa vie de trouver une femme comme Nikki Menga. Une femme qui est compréhensive. Une fille qui est bourrée d'intelligence, de sagesse. Qui a su tenir bon. Qui a su supporter les caprices de Fali. Qui a su supporter les caprices des filles, des adolescentes, des enfants. Jusqu'aujourd'hui, attaquer femme d'une personne comme Fali Ipupa. Une personne qui supporte aussi les enfants connus de Fali Ipupa. Mais elle a su gérer la crise de ses filles là, de tous ces enfants-là. Malgré ça, les enfants ont réussi l'école. Maintenant, regardez les femmes là qui ont échoué à éduquer leurs enfants. Les femmes qui n'ont même pas d'enfants. Les femmes qui n'ont pas une vision claire dans leur propre vie. Pas de vision claire pour leurs propres enfants. C'est eux qui viennent sur les réseaux sociaux en train de taper, de pointer, de poignarder les enfants qui ne les concernent pas, la femme qui n'a pas leur niveau. Aujourd'hui, quand Nikki prend l'avion, première classe, pour voyager par-ci, par-là, vous là, qui insultez chaque jour Nikki, montrez-nous d'abord les billets, dites-nous que aujourd'hui aussi, l'année ici, nous avions voyagé telle part, dans quelles circonstances également. Nikki Menga par an, elle s'envole peut-être 3-4 fois par an. Elle voyage. Pendant que nous connaissons bien qu'elle ne travaille pas, elle se débrouille. Mais vous là, qui aviez fait votre réseau social comme votre vie de chaque jour, montrez-nous ce que vous faites dans la vie. À part insulter les gens. Nikki Menga, avec son association, elle a réussi
à convaincre le monde. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes qui sont derrière elle. Mais vous là, les gaou, les djanjou des réseaux sociaux, vous pensez que vous allez intimider une personne comme Nikki. Vous aviez échoué. Vous aviez échoué. Je pense que la vidéo ici vous a fait du bien. Il est temps de partager la vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager, de liker la vidéo au maximum, puisque c'est toujours votre oncle, votre tonton, votre grand frère et petit frère en même temps qui vous parle. Ciao.